sur le plateau d'Agora Web TV, Jean Debette, président de la FNACA. Alors Jean, qu'est-ce que la FNACA ? La FNACA, en fait, c'est une fédération nationale quoi, qui regroupe une grande partie, des anciens d'AFN qui ont été appelés sous les drapeaux à partir de 1954 et qui, jusqu'à 1962, s'agissant de notre comité de Saint-Laurent-Blangy, nous comptons à peu près une bonne soixantaine de membres. 60 membres actifs. Actifs, oui. Alors évidemment, dans ce chiffre, il figure également nos veuves, enfin des camarades qui sont décédés au fil des années et qui perpétuent en somme l'action de leur ex-mari. Quoi. Alors, quels sont les événements de l'année 2007 pour la FNACA ? Alors, les principaux événements, évidemment, nous concernant, ce sont évidemment notre présence et notre devoir, j'insiste bien, quoi, notre devoir d'être présent aux cérémonies patriotiques. Alors, où peut-on retrouver les membres de la FNACA ? Les membres de la FNACA enfin, se retrouvent lors de nos réunions, quoi. Généralement, on s'efforce par le biais de la presse ou même par le bulletin liaison, quoi, hein, de faire savoir qu'une réunion a lieu et à partir de là, bon, vient. Mais enfin, actuellement, disons que notre recrutement est pratiquement clos puisque les dernières classes, si vous voulez, se situent donc aux années 1942 et on ne peut plus espérer à l'heure actuelle. Recruter énormément d'adhérents. Quoi. On en arrive à un maximum, un plafond. Quoi. Eh ben, merci de votre visite sur le plateau d'Agora Web TV et à très bientôt. Merci. Merci Jean.